Eh bien salut tout le monde, c'est MathMadGamer, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo en compagnie de SuperGamer02 sur Skype, salut à toi. Eh bien salut tout le monde. Dans cette vidéo, bah, je vais vous montrer quelques logiciels, c'est pas ça que je voulais faire, que j'ai créé avec Visual Basic 2010. Donc c'est un logiciel, bah, pour ceux qui ne savent pas encore, bah, pour faire du codage. Oui, sauf ces cleaners là que je ferme. Bref. Alors, on a... Déjà, je les ai mis sur Dropbox. Donc, le lien de chaque sera dans la description. Donc, on a celui-là. Donc, générateur de serveur Minecraft qui, je pense, est mon plus gros. Donc, petite démonstration d'occuper du serveur. On s'en fout. Port, on s'en fout. Ça, on va mettre... Blablabla. Hop, hop, hop. Maxi Player, on va mettre ça. Je vais tout faire pour tout vous montrer. Donc là, vous voyez qu'on peut pas... Ah, si, on peut écrire. Facile, on va mettre Peaceful. Ressource pack, je peux pas. Bon, on va mettre ça. Game mode, hop. Nom de la map. Salut, YouTube. Seed, on s'en bat les... Voilà. Type de la map. Hop. View distance. Hop, 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 hop. Donc là, on peut pas appuyer sur le bouton tant qu'on n'a pas choisi. Donc voilà. Après, on fait générer. Et une fois que c'est bon, ben, on peut fermer. Donc là, moi, c'est en bloc-notes, mais vous, ce sera en fichier tout blanc. Et voilà, donc générateur setting, Hello Nether Falls, level name salut YouTube, tout ça, on s'en bat les... voilà, enfin vous voyez que tout est bon, hein. C'est bien ce que j'ai mis, donc ça marche. Alors après on a ça, donc c'est un logiciel qui sert à rien, mais bon je l'ai quand même fait. Waouh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc c'est une horloge qui est tout à fait précise. Donc là dommage on est au début de minute. Sinon bah, vous verrez que l'heure de là et l'heure de là c'est la même. Donc après on a ça. Donc un petit navigateur. Donc je vous ai fait un tuto dessus. Donc YouTube. Je pense qu'il va y avoir un 2.0 où cette fois on pourra faire entrer parce que je crois que j'ai trouvé la soluce. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Mais bon. Donc retour. Avance rapide. Voilà, enfin bref. Et voilà, on a ça. Donc ça, je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir. Mais c'est un lecteur Windows Media Player. Donc dites-le moi si jamais vous arrivez pas à l'ouvrir. Dans ce cas, bah je referai le logiciel. C'est un tout petit logiciel. Il prend vraiment pas de temps à faire. Donc là, bah tout de suite, je vais bosser sur comme je vous ai dit, sur. Sur le navigateur 2.0, donc je vous ferai un tuto dessus si c'est bon. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager. Il fait un texte, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Salut!